sans se montrer, en se montrant, en face caméra, en filmant son bureau, en extérieur, je vous propose les 5 façons les plus classiques d'enregistrer une formation en ligne. Et en bonus de vidéo, tuto, je vous montrerai comment est-ce que j'enregistre mes propres formations en ligne. Le problème quand on se lance dans les formations en ligne, c'est qu'on n'a pas forcément envie de se montrer. Alors particulièrement les débutants. Alors l'inconvénient, c'est qu'on peut, si on se montre pas, on a du mal à se différencier. Hein. Ça tient beaucoup sur ce qu'on est, sur ce qu'on fait. En revanche, l'avantage, c'est que quand on se montre pas, bah, ça peut faciliter un petit peu les choses du point de vue de l'image. Et si pour toi c'est un frein de faire des formations en ligne parce qu'on doit absolument se montrer, bah balaye ça d'un revers de la main parce qu'il y a moyen effectivement d'en faire sans apparaître à l'image évidemment. L'un de ces moyens, c'est d'utiliser Google Slides. Enregistrer des slides, des diapos hein, pour faire clair. Concevez des présentations efficaces grâce à Google Slides. Et ça, bah, c'est totalement gratuit. C'est un outil Google. Dès que vous avez une adresse Gmail, vous avez accès à ce Google Slides qui va remplacer votre propre image. Et avec ça, c'est très très simple. Hein. Tu crées autant de diapos que tu vas faire défiler devant les yeux de ton apprenant. Et alors, ça peut être des visuels, ça peut être de l'écrit. Bref, mettre de l'info sur lequel d'ailleurs tu vas toi-même t'appuyer, lire aussi ce qu'il y a là et puis développer un petit peu ce que tu auras marqué sur ces slides. Ensuite, il faut monter. Monter. Alors, je vous montrerai un petit peu plus tard dans cette vidéo quelles sont les différentes solutions qui se présentent à vous pour faire du montage. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'une des plus simples, c'est d'utiliser un truc qui est gratuit. Hein. C'est une extension Chrome gratuite qui s'appelle Loom. Montrez-le, dites-le, envoyez-le. En fait, vous avez une petite fenêtre de réglage qui vous permet, juste avant d'enregistrer, bah, de choisir ce que vous voulez enregistrer. Alors, vous pouvez enregistrer votre écran, plus votre visage, plus le son, ou pas mettre votre visage, hein, si vous préférez. Mais ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que vous pouvez rajouter des petites annotations, comme ce cercle rouge, par exemple. Bref, vous créez une vidéo à la volée. Le prix ? Eh bien, c'est gratuit, en tous les cas, jusqu'à 50 vidéos de 5 minutes. Et 5 minutes, c'est très très bien, justement, pour faire des petites leçons courtes. Ça correspond précisément à des formations. Alors, évidemment, là, pour le coup, pour la version gratuite, c'est en fait un lien. Vous allez sortir un lien que vous allez pouvoir distribuer à vos apprenants. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Donc, pour avoir le droit de télécharger le résultat à votre vidéo et tous ces autres avantages, eh bien, vous êtes obligé de passer à cette version entreprise où vous êtes plus à 7 euros et quelques par mois. Mais encore une fois, il existe d'autres solutions et on va en parler. Pour certains, se montrer, eh ben, ça peut être carrément un atout. Hein. On n'est pas tous égaux devant le charisme, devant la prestance face à la caméra. Alors évidemment, si vous avez ce charisme, c'est peut-être pas non plus la peine de trop en rajouter. Hein. L'idée peut-être, ce serait que vous cherchiez plutôt au contraire à alterner. C'est-à-dire des moments où on va vous voir et des moments où on va ne pas vous voir. Si vous êtes bon à la caméra, qu'est-ce que vous pourrez bien rajouter comme image pour essayer de faire monter un petit peu le niveau ? Bah simple en fait, il suffit juste de vous filmer en situation pour illustrer un petit peu votre propos. Alors utilisez ce que vous voulez, hein. Ça peut être un DSLR, ça peut être une caméra, ça peut être un smartphone. Tiens par exemple, si vous êtes dans le fitness, enregistrez-vous en train de pratiquer en vertu de la sacro-sainte règle de base quand on fait une formation qui dit et qu'il vaut mieux montrer que dire, eh bien montrez-vous en situation. Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, montrez plutôt que dire. D'abord, ça va vous aider à avoir vous-même un petit peu plus de crédibilité. Et puis, ça va permettre aussi l'identification. Vos élèves vont s'identifier à vous. Et puis après tout, ce sera la meilleure démo que vous puissiez faire. Montrez plutôt que dire. Alors pour le montage, là pour le coup, on va s'adresser à un niveau hop là, un petit peu plus élevé avec notamment la présentation. Si vous êtes en face cam, hein, si vous vous montrez ou si vous vous filmez d'ailleurs en extérieur, mais à partir du moment où vous ne filmez pas votre bureau, ces deux frères ennemis risquent de vous aider. Et je vous parle de Final Cut Pro et de Premiere. Alors ces deux logiciels, bah, je vous les recommande pas forcément parce que c'est vraiment très poussé, c'est peut-être même trop poussé d'ailleurs pour des formations ou des vidéos YouTube. Mais là, en fait, ils accentuent sur les effets cinématiques, et ce qui n'est pas très utile par exemple. Mais bref, vous avez un essai de 90 jours. Pareil pour Adobe Premiere, on est quand même sur des outils un petit peu trop poussés pour nos simples formations en ligne. Alors, bien sûr, c'est top, mais trop c'est trop. Quoi qu'il en soit, moi j'ai fait mon boulot d'aiguilleur. Hein. Cela dit, je préfère ça. Oui, parce que si tu souhaites pas trop te montrer, finalement, c'est peut-être la bonne formule. L'idée, c'est de filmer son bureau. Par exemple, eh bien, vous pourriez très bien filmer des sites internet, une suite d'onglets que vous auriez ouvert sur votre navigateur, en partant de la gauche, en allant vers la droite. Voilà, vous pouvez les faire défiler les uns après les autres en étant bien ordonnés. Cliquez donc et avancez en expliquant ce qui se présente devant vos yeux, ces sites internet que vous montrez. Alors c'est une formule utile pour tout un tas de cas précis de formation et pour des leçons d'ailleurs qui peuvent être très précises. Et pour ce type de montage et bien d'autres d'ailleurs, vous avez Camtasia. Et je ne vais pas vous cacher que c'est celui que j'utilise, hein, que ce soit pour mes vidéos YouTube, mes vidéos sponsorisées, mes vidéos de vente, de formation, tout ça, voilà. Et c'est la bête à tout faire.
Et je vous le mets d'ailleurs en description, voilà, ce logiciel, pour l'avoir 30 jours gratuitement. Et c'est un logiciel, ce qu'on appelle Screencast, c'est-à-dire qu'il enregistre la webcam, le son et le bureau d'ailleurs en même temps. Alors bien sûr, vous montrez un petit peu ce que vous voulez, hein, à vous de choisir. Si vous voulez montrer juste le bureau, vous montrez juste le bureau, votre visage seulement, vous le faites aussi, ou alors les deux, ça c'est vous qui choisissez. Et moi, ça fait 5 ans que je fais mes formations avec ça. Alors que ce soit pour faire des vidéos YouTube ou des vidéos de formation ou autre, hein, vidéos de vente, bien, bref, toutes mes vidéos sont faites avec ce Camtasia en question. Rester face caméra pour faire toute sa formation, comme ça, figé, c'est une solution. Alors évidemment, il faut avoir quand même des élèves qui vous apprécient, puis un plutôt bon contenu, parce que c'est toujours moins efficace que d'avoir des visuels qui s'alternent, d'avoir un contenu qui est un peu plus riche, un petit peu plus varié. Pour enregistrer une formation en face caméra, bah faites simple, hein. Encore une fois, prenez votre smartphone, tiens, voilà, c'est très bien. On fait de très bonnes images avec le smartphone, ça dépend juste de l'éclairage. Tout ce que vous allez faire, quelle que soit la caméra que vous allez choisir, pourra effectivement être amélioré juste grâce à une chose simple, à l'éclairage. Bah, parlons-en justement de l'éclairage. Bah, je vous recommande de faire simple. Alors prenez par exemple ce type d'anneau de lumière, les rings. Perso, c'est ce que j'ai. Voilà, bah, tout y est. Là, vous avez le pied, les couleurs, le variateur pour faire mettre ce qu'on appelle plus ou moins d'intensité. Pour faire de la face caméra, que ce soit un DSLR, une caméra, un smartphone, une webcam, ce que vous voulez, le ring, que j'ai là d'ailleurs, et bah, c'est ce qu'il y a de plus simple. Pour le montage, eh bien, vous pourrez très bien vous servir d'un logiciel du type Videopad, par exemple. Créer et monter vos vidéos en quelques minutes. Voilà un des nombreux exemples qui est à votre disposition et qui est très très simple à utiliser. Faire pivoter, couper, diviser, recadrer, fusionner des vidéos avec une timeline précise. Donc, vous voyez, vous avez vraiment l'essentiel. Bon, des petits effets par-ci, par-là. Bref, vous avez quand même l'essentiel dans ce type de logiciel, même si, encore une fois, bah, ce ne sera pas celui sur lequel vous allez certainement faire une longue carrière. Bon, ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que faire du face caméra comme ça pendant des vidéos qui durent une heure de long, bon, faut quand même une certaine maîtrise, hein, c'est pas donné aux débutants. Donc, je sais pas, c'est vraiment une super formule si vous vous lancez. Ça aussi, ça peut être intéressant. Faire des formations filmées en extérieur. Alors évidemment, c'est toujours un petit peu compliqué quand c'est en extérieur parce qu'il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas, par exemple, l'ambiance sonore. Il peut y avoir un bruit à un moment donné qui vienne gêner. On ne maîtrise pas toujours l'éclairage naturel. Ça, on peut faire avec, mais quand il ne fait pas beau, bah, il ne fait pas beau, on n'y peut rien. Hein. Cela dit, ça vous donne quand même de vraies différences. Alors bien sûr, il faut se faire aider. Souvent, à moins que vous ayez un pied pour mettre la caméra, avoir une tierce personne, c'est quand même mieux. Mais bref. L'idée, c'est que derrière ce type de vidéo, vous allez pouvoir imprimer quelque chose de très personnel, un véritable cachet. Et oui, ça donne une plus-value, littéralement. Alors bien sûr, pour faire ce genre d'image, peut-être qu'une caméra serait un petit peu plus adaptée qu'un appareil photo DSLR. En plus, une caméra, si vous regardez bien, souvent, il y a une poignée. Donc ça vous aide effectivement à faire des mouvements qui sont toujours un petit peu plus fluides. Cela dit, de simples smartphones, encore une fois, je reviens sur les smartphones qui font de très belles images, eh ben, peut très bien suffire, hein, d'autant qu'il y a des petits pieds, quelquefois, qui sont très adaptés pour filmer avec du mouvement. Donc oui, effectivement, un smartphone, ça peut être une véritable aide. Et si vous y ajoutez en plus des vidéos enregistrées, des vidéos du stock, footage qui existe sur des sites que vous pouvez acheter tout simplement, là, vous allez faire quelque chose qui est tout à fait riche et qui va être, encore une fois, très qualitatif pour votre formation. Alors perso, pour ça, moi, j'utilise carrément Envato Elements. Je vous mets là-dessous, en description, le lien pour aller voir cette Envato Elements, dans lequel vous allez pouvoir d'ailleurs trouver alors des vidéos. Vous voyez que vous avez des musiques, vous avez des effets sonores, des modèles graphiques, des photos, des polices, des extensions. Enfin, il y a absolument tout ce qu'il vous faut pour faire vraiment, encore une fois, pour amener une vraie richesse à votre montage, à votre formation, à vos vidéos YouTube, à vos vidéos de vente, à toutes les vidéos que vous voulez. Alors avant, j'utilisais un site qui m'avait coûté très peu cher et qui proposait plein de photos gratuites, d'images, de vidéos, etc. Bon, depuis, bah, j'ai monté un petit peu d'un cran quand même avec ce Envato Elements, même si de temps en temps, je m'en réfère encore une fois à ce précédent. Ouais, quand on veut du stock, il faut essayer de prendre un petit peu partout, dans tous les sens. Par exemple, si vous êtes dans le yoga, eh ben, c'est parfait pour trouver des images complémentaires, pour expliquer ce que vous devez partager. D'ailleurs, cette vidéo que vous voyez là en ce moment, et cette musique que vous entendez, vient de Envato Elements. Pour ce qui est du montage, je pourrais vous renvoyer vers DaVinci Resolve. Alors c'est sûr que c'est super pratique parce que c'est gratuit. Le problème, c'est que c'est une véritable usine à gaz et que c'est absolument pas adapté à des vidéos YouTube ou à des vidéos de formation parce qu'encore une fois, c'est trop compliqué. Pour ce type de vidéo que vous faites, que ce soit YouTube ou formation, on a besoin quand même d'une certaine productivité. Il faut que les choses aillent vite, il faut qu'on soit productif et que ce soit relativement simple pour, encore une fois, avancer de la manière la plus efficace qui soit.
Et là, avec ce DaVinci Resolve, on est en plein syndrome de l'objet brillant, hein, clairement. Bon, alors je vous avais parlé d'un petit tuto. Hein. Alors évidemment, votre idée, ça va être de vous dire, bon, moi, je vais m'amuser à mixer un petit peu toutes ces méthodes, à croiser un petit peu toutes ces techniques. Hein. Alors moi, au risque de vous surprendre, hein, je fais les choses de manière beaucoup plus simple. Pour ce qui est de l'enregistrement, j'utilise des slides, des Google Slides, des diapos dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, tout simplement, pour le son, j'utilise ça, il est là. La lumière, mon ring, mon anneau de lumière, il est là aussi. Par contre, j'utilise pas cette caméra, la DSLR, parce que je dois filmer mon bureau. Donc, je filme mon bureau et en même temps, j'utilise la webcam de mon ordinateur. Donc du coup, je me retrouve avec une version évidemment simplifiée. De temps en temps, je montre les slides, les diapos. De temps en temps, je montre ma tête dans un rond. De temps en temps, je me montre tout seul. Ça permet de faire des alternances tout en restant quand même relativement simple pour une fois faciliter la bonne compréhension de chacun de mes élèves. Deux, une fois que j'ai fini tous mes enregistrements, je passe au montage. Et là, évidemment, j'utilise, comme je vous l'ai dit, Camtasia. C'est ce qu'il y a de plus simple pour avancer très vite au niveau du montage, pour faire des alternances, encore une fois, entre ce que vous avez enregistré au niveau du bureau et ce que vous avez enregistré au niveau, bah, tout simplement, de la vidéo, votre tête. Voilà, donc ça, ça me paraît être, encore une fois, ce qu'il y a de plus efficace. 3. Une fois que j'ai fait le rendu de cette vidéo, eh ben je la télécharge sur Teachable, qui est l'endroit où j'ai créé mon école en ligne et où tous les élèves peuvent s'offrir mes formations payantes. Alors évidemment, très important pour vous, il va falloir ne pas vous tromper de sujet de formation. Il va falloir aussi un petit savoir-faire pour savoir bien les traiter. Et puis, encore une fois, ne pas vous tromper de plateforme pour les loger. Et c'est précisément ce que je vous propose de faire tout de suite en cliquant ici. À tout de suite, si tu cliques.